Au sommaire de ce journal, c'était rude hier pour le ministre de PT antique Kibasa Maliba qui a eu maille à partir avec les députés nationaux. Ses explications sur la taxe RAM n'ont pas convaincu les élus. Le ministre a 48 heures pour sa réplique. Et gestion de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville est invité ce vendredi à l'IGF par l'inspecteur en chef Jules Alinguété. Une première rencontre entre les deux personnes. Et publication des résultats de l'examen d'État édition 2021, le ministre de l'EPST remet officiellement ce jeudi les CD de compilation des résultats au réseau de téléphonie mobile. Les élèves de la capitale devront attendre un tout petit peu pour être fixés sur leur sort. Et ça tire dans la province de l'Équateur depuis cet avant-midi. Une agitation a été observée devant l'Assemblée provinciale où des policiers empêcheraient les députés provinciaux d'accéder à leur bureau. Une situation qui peut dégénérer davantage à tout moment. Et on va parler également de l'actualité en Afrique. En Tunisie, c'est une femme qui est chargée de former le nouveau gouvernement. Elle, c'est Najla Boudé, une universitaire qui est nommée depuis hier première ministre par le président Kaïs Saïd. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'était une plénière assez unique hier à l'Assemblée nationale sur l'audition du ministre de PT antique Kibasa Maliba. À l'unanimité presque, les députés se sont opposés à la perception de la taxe RAM. Un débat houleux s'en était suivi. Le ministre a 48 heures pour répondre aux questions des élus nationaux. Invité par l'Assemblée plénière à la Chambre basse du Parlement, ce mercredi 29 septembre pour éclairer les élus nationaux sous la taxe RAM, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, n'a pas su convaincre l'Assemblée nationale. Dans son discours, le ministre a expliqué les avantages de la taxe qui ne se limite qu'à l'installation de l'Internet dans certaines universités et à l'aéroport international d'Ndjili, ainsi qu'à soutenir la gratuité de l'enseignement. Mais les députés sont restés sous leur soif. Lors du débat, aucun parmi la cinquantaine des députés à prendre la parole n'a soutenu la taxe RAM. Presque tous les élus ont qualifié cette taxe d'illégale et ont demandé simplement sa suppression. On commence là, Moussala et Général Kassongo. Yo Moussala n'a eu comme ça, c'est quoi, ministre Abachombo. Qui ministre n'a eu, ben nommé yo, et ça pour Abachombo. Abachombo, wana. J'importais ça par sac. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Non seulement sa suppression est vivement réclamée, mais tous ont demandé, comme un seul homme, la constitution d'une commission parlementaire d'enquête pour retracer tout l'argent perçu dans les comptes RAM. Pour les élus nationaux, le peuple congolais souffre déjà et qu'il ne faut même pas en rajouter d'autres souffrances, mais plutôt de chercher à lui offrir un social digne d'un pays régorgeant les richesses. Le ministre ayant tout noté dans son bloc-notes, il a demandé à l'auguste assemblée de lui accorder 48 heures pour revenir avec des réponses. Il dit être choqué d'être traité d'escroc par les élus nationaux. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi au palais du peuple. Je parlais justement des réactions virulentes des députés nationaux après les explications non convaincantes du ministre de PT antique. Certains ont qualifié la taxe RAM d'escroquerie avant d'exiger sa suppression. On les écoute. La RAM, c'est une escroquerie de plus contre la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas avoir une taxe qui n'a ni soubassement légal et qui doit être imposé à la population. Ça, c'est inacceptable pour les élus du peuple que nous sommes. Nous ne sommes pas satisfaits de ces réponses, parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui justifie cette taxe. Et c'est ainsi que vous avez vu qu'à l'unanimité, tous les députés ont demandé la suppression pure et simple de cette taxe, qui est de trop. Nous avons interpellé un ministre de l'Union sacrée,
et le débat a été citoyen républicain pour l'intérêt supérieur de la population. La population n'a pas compris le processus de cette taxation qui, en réalité, il s'avère qu'il n'a pas de soubassement juridique. Et aussi, face à la pauvreté, à la situation économique de la population et face à d'autres priorités, il y a eu un tollé. Et donc, cette action du ministre, qui du reste peut se justifier, n'a pas eu l'assentiment, encore moins l'accompagnement de la population. Une question très importante à la nation. J'ai dit quand j'intervenais au Parlement que c'est tout Congolais qui est victime de cette taxe. C'était une question à travers cette plénière que le ministre, d'ailleurs une occasion en or qu'on a donnée au ministre pour qu'il puisse donner des éclaircissements sincères au peuple congolais, des explications sérieuses par rapport à la perception illégale de la taxe RAM. Au Sénat, la plénière d'hier mercredi a été marquée par la deuxième audition de quelques membres du gouvernement sur l'évaluation de l'état de siège. Ces ministres ont 48 heures pour fournir des réponses aux questions des sénateurs. Fabien Lumbala signe ce reportage. Sous le leadership de Modeste Batulu Kwebo, le Sénat, qui est l'émanation des provinces, veut accompagner la détermination du président de la République qui fait de la restauration de la paix dans la partie est du pays une priorité de son mandat. Cette séance a pour objet d'échanger avec le gouvernement de manière à ce que nous soyons informés, amplement informés sur la situation réelle qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En ce moment de l'état de siège, et que nous puissions, par nos recommandations et nos suggestions, contribuer à la victoire de nos forces armées et de sécurité afin que la paix revienne dans l'est de notre pays. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, la ministre d'État à la justice, le ministre d'État en charge du budget, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le chef d'état-major des FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise ont enregistré différentes préoccupations des élus sur l'évolution des opérations sur terrain depuis le début de l'état de siège avant de solliciter 48 heures pour revenir avec des réponses précises aux questions de la plénière qui s'est terminée tard dans la soirée de ce mercredi. Et je le disais, le gouverneur de la ville de Kinshasa sera face demain vendredi à l'inspecteur général des finances Jules Alingueté dans son cabinet pour une séance de travail. D'après une correspondance de l'IGF, la gestion de la ville sera au menu de leur échange. Ngobila et son équipe ont-ils commis de dérapages de gestion? En tout cas, le gouverneur de la ville sera fixé sur son sort le 1er octobre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a été convoqué par le chef des services et inspecteur général des finances Jules Alingueté pour une séance de travail. Jean-Tini Ngobila sera tenu informé des conclusions de l'enquête après la mission de contrôle de l'inspection générale des finances effectuée auprès du gouvernement provincial. C'est ce qu'on peut lire dans la correspondance lui adressée par Jules Alingueté. La réunion aura lieu au quartier général de l'IGF. Le courrier de Jules Alingueté, dont une copie est parvenue à Télé 50, demande au chef de l'exécutif provincial de Kinshasa de se faire accompagner par son ministre des Finances et son conseiller financier. Jules Alingueté a pris le soin de mettre en copie le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que les directeurs des cabinets du chef de l'État. Il n'y a pas longtemps que Ngobila et son ministre des Finances, Ngoï Mvuzi, étaient indexés individuellement par la Banque centrale du Congo. Dans un document du 1er mai 2021, la Banque centrale du Congo avait ordonné aux banques de ne plus faire les opérations avec l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila et son ministre provincial des Finances.
Les deux derniers cités avaient été placés en index en tant qu'agents économiques. Heureusement pour eux, la décision a été levée. Et la cellule de communication du gouverneur avait tout relativisé tout en assurant que la décision de la Banque centrale était la conséquence des dettes contractées par le gouvernement provincial sortant. Gentil Ngobila rentrera-t-il ou il sera croué comme le gouverneur Atuma Tubwana? Ngobila ou son équipe ont-ils commis des dérapages de gestion? Le gouverneur de Kinshasa sera fixé sur son sort ce vendredi 1er octobre 2021. Le réseau parlementaire africain a organisé une conférence annuelle à Dakar au Sénégal du 27 au 29 septembre 2021 avec comme thème les députés en ligne de front, réduire le flux financier illicite pour la relance économique post-Covid-19. La RDC a été représentée par le député national et président de l'APNAC RDC, Jean-Pierre Passy Zapamba, qui a présenté la situation actuelle des efforts engagés en matière de lutte contre la corruption dans notre pays. Et le ministre de l'EPST confirme que les résultats de l'examen d'État édition 2021 de toutes les provinces seront disponibles ce jeudi 30 septembre. Selon le communiqué du directeur de cabinet du ministre de l'EPST, la publication aura lieu après la cérémonie de remise des CD des résultats de toutes les entités aux opérateurs de réseaux de téléphonie mobile par le ministre Tony Mwaba. L'ambassadeur du Pays-Bas en RDC, Jorge Opewal, s'est rendu au siège de la Commission nationale des droits de l'homme pour s'imprégner de sa mission depuis sa création. Un sujet de satisfaction pour l'ambassadeur qui promet son accompagnement à cette institution d'appui à la démocratie. L'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo a rendu visite à la Commission nationale des droits de l'homme pour s'imprégner de son mandat, de sa mission, de ses attributions, surtout ses réalisations en République démocratique du Congo. S'agissant des réalisations, il s'est dénoté en particulier plusieurs enquêtes et monitoring sur les violations de droits de l'homme à travers les visites des prisons et autres lieux de détention qui ont abouti à la publication des rapports. Ensuite, la sensibilisation de la population à travers les journées portes ouvertes, le traitement des plaintes et tant d'autres. La Commission nationale a reçu 47 000 plaintes. Alors tous les citoyens congolais peuvent saisir la Commission nationale droits de l'homme pour investiguer leurs plaintes. Je pense que ça, c'est un atout important. Aussi le rapport qu'il présente à l'Assemblée. Quant aux perspectives d'avenir, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a présenté à son hôte les activités qui sont programmées sous le plan opérationnel pour l'année en cours, mais aussi et surtout ce qui nécessite les moyens et l'appui des partenaires. Nous avons notre plan et nous tendons vers la fin de l'année. Il fallait inviter nos collaborateurs pour travailler ensemble et nos partenaires. Parce que nos collaborateurs ont fini à améliorer ce qui reste dans notre plan opérationnel. Et il y a beaucoup d'activités qui nécessitent l'intervention aussi des partenaires. Très impressionné par le travail abattu par la CNDH, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, République démocratique du Congo, a exprimé sa satisfaction tout en promettant de mener les plaidoyers en faveur de cette institution qui milite pour le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Et c'est une situation inhabituelle ce jeudi à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Un accrochage a été signalé entre les députés provinciaux regroupés au sein du G14 accompagnés d'une foule et la police déployée pour empêcher toute entrée dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes qui auraient perdu leur vie et 15 autres grièvement blessés. Le président de l'Assemblée provinciale, Claude Bouka, serait aussi parmi ces blessés. La situation est très confuse ce jeudi à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La majorité des députés provinciaux regroupés au sein du G14 s'est vu confrontée à la police déployée par les gouverneurs Bobo Boloko, alors qu'ils se rendaient accompagnés d'une foule de la population à l'Assemblée provinciale pour l'ouverture de la session budgétaire prévue ce jeudi 30 septembre 2021. Des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles signalés. 2 auraient perdu la vie et un nombre de 15 personnes blessées
dont le président de l'Assemblée provinciale, Claude Bukalumpolo, mais aussi les députés provinciaux Kamba. Et puis, l'autorité qu'on a à niveau Kinshasa. Déterminé à faire réussir la tenue de cette plénière d'ouverture de la session budgétaire, le G13 est allé siéger dans un cadre autre que l'Assemblée provinciale, qui reste jusqu'à présent pris d'assaut par les éléments de la police. Face à cette situation, plusieurs voix s'élèvent pour interpeller le gouvernement de la République démocratique du Congo, afin de tout faire pour éviter le pire dans cette partie du pays. Et en Ituri, l'état de siège n'empêchera nullement la rentrée scolaire. Le gouverneur militaire de cette province sensibilise déjà les familles à envoyer leurs enfants à l'école. Le reportage est signé presse de FRDC. Rentrée des classes lundi 4 octobre 2021 en province de l'Ituri. L'administration militaire sensibilise déjà les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école. Une initiative qui vise à prévenir un éventuel enrôlement des enfants dans les forces négatives en cette période de l'état de siège, souligne le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louboyan Kachamadjoni, au cours d'un point de presse ce mardi. S'agissant de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons, je la considère pour ma part comme une contribution à la consolidation de la paix pendant cette période spéciale de l'état de siège. La gratuité de l'enseignement de base étant effective en RDC, grâce aux efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, rien ne peut justifier la rétention des enfants à la maison. C'est ainsi qu'en sa qualité de commandant des opérations militaires en cette période de l'état de siège, les gouverneurs militaires rassurent que tout sera mis en œuvre pour une rentrée de classe sécurisée en Ituri. Pendant cette période de l'état de siège, nous ne ménageons aucun effort pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la province de l'Ituri. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La sécurité est la condition sine qua non du travail et de l'enseignement dans les écoles. Signalons que cette sensibilisation fait suite à une note d'orientation mise en place par le secrétariat général du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique pour permettre la rentrée en dépit de la pandémie Covid-19. Et dans l'actualité africaine, c'est une première dans l'histoire du pays arabe. Une femme dirigeait le gouvernement. Le président tunisien Kaïs Saïd a nommé Najla Bouden, âgée de 63 ans, première ministre du gouvernement. Elle est chargée de former un nouveau gouvernement après 10 mois de blocages politiques et 2 mois après le limogeage du précédent cabinet. Mais sa marge de manœuvre pourrait être amoindrie puisque le président s'est octroyé des pouvoirs exceptionnel. Et ouvrons la page sportive à présent. Vodacom Ligue 1, le marathon de la 27e édition se poursuit ce jeudi à Likasi avec le Daring Club Motema Pembe qui sera reçu par l'US Panda B52. Initialement prévu ce jeudi, le match V-Club et Maniema Union risque de ne pas se jouer puisque la Lina Foot n'a pas obtenu auprès du ministère des Sports l'autorisation de le faire jouer au stade des Martyrs. Le report officiel se fera dans quelques heures par la commission de gestion de la Ligue nationale. Entre-temps, à Lubumbashi, le maire de la ville annonce le report du match Lupopo contre Mazembe pour des raisons sécuritaires. On l'écoute. Chers Louchoises et Louchois, nous avons été dans l'engouement de suivre le match de Lupopo et Mazembe qui devrait se passer cet après-midi au stade de la Kenya. Nous venons auprès de vous pour vous dire que la sécurité prime plus que toute chose. Et nous sommes là pour sécuriser la population de Lubumbashi ainsi que leurs biens. Avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, qui d'ailleurs a été aussi au four et au moulin pour pouvoir accueillir ce grand match qui devrait se passer cet après-midi. Nous sommes au regret de vous annoncer du report de ce match pour raison de sécurité, puisque votre sécurité prime plus que toute chose. Nous voulons vous demander de comprendre
et de pouvoir rester calme et d'attendre la prochaine date qu'on va annoncer pour ce match. C'est sous cette note qu'on va prendre la revue de presse. Le rappel des titres plutôt. C'était rude hier pour le ministre de PTN Tikibassa Maliba qui a eu maille à partir avec les députés nationaux. Ses explications sur la taxe RAM n'ont pas convaincu les élus. Le ministre a 48 heures pour sa réplique. Et gestion de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville était invité ce vendredi à l'IGF par l'inspecteur en chef Jules Alinguété. Une première rencontre entre les deux personnes. Et publication des résultats de l'examen d'État édition 2021, le ministre de l'EPST remet officiellement ce jeudi les CD de compilation des résultats au réseau de téléphonie mobile. Les élèves de la capitale devront attendre un tout petit peu pour être fixés sur leur sort. Et ça tire dans la province de l'Équateur depuis cet avant-midi. Une agitation a été observée devant l'Assemblée provinciale où des policiers empêcheraient les députés provinciaux d'accéder à leur bureau. Une situation qui peut dégénérer davantage à tout moment. Et en Tunisie, c'est une femme qui est chargée de former le nouveau gouvernement. Elle, c'est Najla Boudeh, une universitaire et nommée depuis hier première ministre par le président Kais Saied. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci encore une fois de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.